Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Oh bah il pleut avec un grand soleil, il est où le feu d'artifice? Oh putain. Où ça va pas ça? Il est où l'arc-en-ciel? Il est où l'arc-en-ciel? Je veux voir l'arc-en-ciel. Pourquoi c'est sec là? Pourquoi c'est mouillé là? Non, il est où l'arc-en-ciel? Il n'y a pas d'arc-en-ciel. Je suis un peu déçu là, triste. Je suis plutôt triste. Je pensais voir un arc-en-ciel et non, même pas. Moi je dis c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Y a rien d'autre à dire, c'est honteux. Alors, aujourd'hui. On va se mettre à l'abri de la pluie. Bon, ça change rien de toute façon. au niveau de la production, on va faire nos chaînes de production de fonderie. Voilà. Ah, déjà c'est chelou ça encore. Encore des trucs chelous là. Moi ça me met sur les moitiés de cases là comme ça. On va te mettre sur une case entière toi. Bref. Hop, allez on va poser ça. J'en mets deux, j'en mets trois. J'hésite en vrai, non j'en mets trois. Parce qu'en vrai les fonderies simples elles sont vraiment pas larges. Même pas de largeur, on voit, il y a même clairement la place de passer. Maintenant. Ouais, on va remettre trois autres là. Je sais pas combien de place il me faudrait à peu près pour prendre en compte la sortie de ce côté là et l'entrée de l'autre côté. Une question, tiens je vais mettre un groupeur. On va le mettre comme ça, on va essayer de le coller au mieux. En face. Déjà on sait qu'on a ça de place. Là après si je peux monter et faire quelque chose ce serait pas trop mal. Genre là ouais. Quelque chose comme ça. Et mais ce qui fait qu'il y a aussi l'inverse. C'est là mine de rien ça me prend vachement de place en bas. Surtout si je veux faire pareil avec les fonderies de ce côté là. Ce qui fait que mon ancien système il prenait moins de place au final. Enfin, il était plus cher mais il prenait moins de place. Parce que là je peux bien en mettre un, il n'y a pas de problème. Là je suis vite bloqué en fait. Surtout à ce niveau là. Non ça me prend trop de place. On va le faire... On va prendre de la hauteur directement, si on peut faire quelque chose comme... Comme ça. Faudrait voir. Imaginons je mets un groupeur. Ouais, mais là j'ai pas la place. Je vais mettre ça juste pour témoin. Mettons, je vais mettre en hauteur. Là déjà il me dit ok ou est-ce qu'il est pas content lui? Ah ça lui va? Ah c'est parfait ça. Je pensais pas qu'il accepterait ça. Mais c'est relié? Ouais ça a l'air relié hein. Ok. Et là il veut pas au niveau de la forme. Ouais. Là il voudra pas non plus au niveau de la forme. C'est pas grave, on va devoir faire comme ça. De rien, c'est une perte de place. Hein. Je vais voir si j'ai moyen d'un peu plus qu'on peut faire. Parce que là on est à peu près... Bien, ah ouais, mais c'est là où ça va bloquer. C'est là où ça va bloquer, c'est que... À deux...
ça me laisse une entrée derrière pour dire bah il y a on va dire la répétition là, le pattern là, la sortie des autres fonderies qu'il devrait y avoir par là-bas arrive ici, mais à 3 je suis obligé d'en m'en refaire une. Et ça vaut le coup de faire ça sur sur 2, et sachant aussi que je vais avoir la sortie de lingot 3. En général je fais du sur 5, ça fait 15. 15 et 15 x 30, 450. Sachant que je veux rester sur du MK4. Ouais, ça le fera. En vrai, ça le fera. Ok, bon, on va rester comme ça. Par contre, ouais, d'accord qu'il n'y a que le Caterium qui en fournit 15. Et ça, c'est 30 aussi. Oui. Allez, on va voir s'il y a moyen de faire ça. Elle est où l'entrée? Faut que je le fasse plus haut. Non. Oui, il faut que je le fasse plus haut, mais il faut aussi surtout que je le fasse plus loin. Ouais, mais non, mais là, c'est pas ouf. Hein. Elle a sorti, elle a sorti. Hop. Que là, ouais, je peux faire comme ça. Et encore. Bah non, même pas. Après, je peux utiliser un convoyeur vertical. Ça serait pas un. Pas trop gênant l'idée d'aller comme ça. Bah non, même pas. Ah, je suis pas fan là de ce truc en 3 là. Surtout les fonderies au final. Au final, c'est con parce que là je suis obligé de l'avancer et ça me fait perdre de la place aussi. Là où je gagne en place avec celle la fonderie du milieu, tu perds en place avec les fonderies latérales. Bah non, c'est pas bon. Ça, cette partie là elle me va, mais l'autre partie elle me va pas. Après je pourrais faire le barbare entre guillemets en disant bah il faut un groupeur. J'y vois plus. Comme ça, même pas en plus. On peut décaler. Un groupeur comme ça, un peu comme un barbare. Mais même pas. Et j'ai pas les trous en face des yeux là, c'est violent. Hein. Ok. Voilà, comme ça. On va y arriver. Ouais, c'est bon. Ça là je suis bien relié et là je dis ouais là je me barre dans un truc ouais mais même les hauteurs c'est pas ouais non après les hauteurs je m'en fous là. J'ai juste à dire que là je m'en vais là quoi, c'est pas un problème. Ah ça peut le faire, ah, c'est peut-être pas si mal hein. Si je fais ça, ça va le faire rejoindre tout seul. Hey, j'aime pas mal. Alors ça fait pas très très propre. Quoique en vrai, ça se chevauche pas vraiment. Donc la sortie. Mais non, j'ai mis des répartiteurs. Que là, ah, ça rentre pas, ah, c'est terrible ça aussi. C'est moi qui l'ai mal placé ou. Ah non, non, ça rentre pas. Il faudrait que ça soit décalé un pouilla sur la gauche et ça un pouilla sur la droite. Ouais. Elles sont trop serrées, alors est-ce que je les desserre? Simplement de toute façon
je sais même pas si j'en ai vraiment besoin. Parce que lingot de fer, lingot de cuivre, et ça normalement maintenant je passe par les raffineries. Attendez, attendez. Parce que là j'ai des recettes alternatives avec la consommation d'eau. Ça fait que j'ai beaucoup moins en entrée par exemple de fer. 7 de minerai pour... de lingot. Ah ouais, j'ai ça pour le fer et le cuivre. Donc en soi, j'ai que le catharium. Ça, ça va me servir que pour le catharium. Ouais. Je vais repartir sur mon idée alors avant. Je vais laisser sur du 2 vu qu'on va vraiment pas avoir beaucoup de... consommation de catharium. On va faire ça simple. On va faire ça très simple. Là on va avoir un regroupement. Ici, alors je vais juste tester. Et alors un regroupement s'il vous plaît. Merci. Que ça le fait? Non. Je vais devoir espacer. Ou alors je le fais loin, tout simplement. Imaginons, voilà. Prendre du rab au cas où. Un peu, là, je suis peut-être du rab, mais en fait je suis peut-être déjà assez près. Là on est pas trop mal, et si je me trompe pas, là je peux passer là. Ouais. 10 risques de chevauchement, mais en vrai... ouais, ça passe tout pile, hein. Oui, ça passe tout pile, allez hop. On part là-dessus. Le souci va venir... pour l'alimentation, parce que pour l'alimentation ouais, c'est barré là. Pour l'alimentation en vrai j'ai l'impression qu'au niveau de la hauteur ça va pas le faire. Oh, ça l'a posé d'un coup là. Est-ce que ça passe? Il y a ça qui est un peu limite, hein. En vrai c'est dommage, et après ça ferait trop. C'était de la hauteur, hein. Imaginons que je mets un truc genre je mets ça là. Ah, ça veut pas le mettre au-dessus. Ah, dommage. J'ai pas moyen de chanter le machin là. On va voir si je peux le perdre un peu. Là, c'est moi qui me suis perdu. Alors je vais les refaire parce que des fois ils ont un peu du mal. Et là ça donne quoi? Ouais. Ça fait un peu flottant ça, non? Non. Après la talénime, ouais, ça cause cette talénime là. C'est terrible ça. Je peux les espacer d'un. On va voir. Là, au niveau de la... ah, j'aime pas les espaces. Oh, je suis dans le bon sens. Non, je suis pas dans le bon sens, là, si. Là, si, si. Hop, et là, si je dis comme ça... là, ça devrait clairement mieux passer, hein. Ah, mais je suis pas centré. Je suis obligé de les espacer de... Non. On va trouver une solution... à trouver une solution en les gardant comme ça. Alors, on avait notre groupeur. Alors, je vais essayer de le rapprocher au plus. On va dire comme ça, là il va me dire non. Et là il me dit non. Ensuite c'est là, si je me trompe pas. Elle me dit quoi? Merde, je l'ai foutu en l'air. Hein? Il est à l'envers celui-là. Ah, j'ai peut-être gagné un peu de place là au final. Ouais, je pense avoir gagné un peu de place en profondeur. C'est cool.
Bah, et pourquoi je me prends la tête, au pire. Là, on a un répartiteur. Eh oui. Là, on met une fonderie. Je sais même pas si... Peut-être que j'ai moyen de la coller autant. À voir, mais ça fera peut-être pas beau. Là, si je mets un répartiteur... Alors l'entrée... Hop, celui-là, je le jarte. Ah ouais, j'ai le même problème que la dernière fois. C'est pas grave, je vais le... aller à peine plus loin. Ça devrait être bon. Ça a l'air propre, hein. Ça a l'air correct. Ça touche pas. Ah là, ça touche. J'aime bien. Ça touche pas du tout. Et j'ai peut-être même moyen de rapprocher la fonderie. Peut-être. Ça par contre c'est moins gagné. Attends, elle est vraiment collée là. On va se faire mieux. Ah ouais, elle était vraiment... Ah. Même, ça, j'arrive même pas à bien voir en vrai. Ah. Non, c'est pas ça que je veux. En vrai, ça traverse un pouya, vous m'en voudrez pas pour ça. Hein. Traverse presque rien. Ça se voit pas. Non, enfin presque pas. Il manque 3 ce petit droit. Hop. Là on alimente. Là ça repartira comme ça. Et juste lui. Ah oui, lui, je me disais, au pire des pires. Je peux pas chier, je fais un truc comme ça. Non mais vraiment. Je suis plutôt bon, hein. Là, en vrai... Ah, c'est pareil. Ça touche pas vraiment. Enfin, ça touche, mais ça ne rentre pas vraiment dedans. Ça touche, moi, je me permets. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Là... Ouais, alors non. Par contre, faut pas bise non plus. Il y a des limites un peu quand même. Est-ce que... Ouais, enfin... Alors, juste pour le fun. Juste pour le fun, je trouve ça vraiment très drôle. Je vais pas le garder. Ça me met bien ça. Les deux, en vrai, ils sont collés comme ça. On va mettre un poteau là. Pas. On va alimenter les deux. Non, le câble il va passer derrière. Ouf. On va garder la solution classique. Hein. Un qui alimente les deux. On va faire un effort, la lumière au moins. Enfin, je sais pas quoi. Hop là. Ah, la lumière là, la petite barre de lumière là qui se met en plein dans le trajet du poteau. Quoi. Je suis un peu déçu. Hein. Un peu déçu. Hop. Là, comme d'hab, on retire ceux de devant. On n'a plus qu'à mettre les deux premiers, les deux premières fonderies et ce sera bon. Ensuite, le pattern se répétera, il n'y aura plus qu'à tirer. Hop, ça qui ira là-bas et ça qui ira là-bas.
Parfait. J'ai pas besoin de le faire avec des programmables. Avec des répétiteurs. Oula. Oula. J'ai du Minecraft qui ressort là. Compliqué. Avec des répartiteurs programmables. Allez, je vais enregistrer ce plan. Non. Fonderie. Ouais, c'est bon. En plus, ça me prend vraiment pas grand chose en ressources. Je suis content. Je vais ranger le plan. Impec. Et maintenant, on va faire la fonderie double. Donc la fonderie avancée. Et je vais m'inspirer de ça. Enfin, je vais m'inspirer. Je vais charger mon plan que j'avais fait, vous savez, pour. Allez, où l'assembleuse. Voilà. Là, si je m'y prends pas trop mal, j'ai juste, entre grosses guillemets, à modifier l'assembleuse. Enfin, retirer l'assembleuse et. Et mettre la fonderie à la place. Ouais, forcément c'était entre gros dit, mais. Oh la vache! Et c'est pas un peu gros ça, dit? Merde. Attends, ils ont pas fait un. Il y a des endroits, il en manque là, de. On va dire de ce truc déployable, et il y a des endroits, il y en a un petit peu trop, hein. Hop, le but ça va être de se foutre là. Empiètement, risque de chevauchement. Mais si je mets là, c'est pas relié. Ouais, c'est... Devoir refaire. Alors, ouais, par contre, avant de sauvegarder. Fonderie, avancer. Avant que je sauvegarde et que je fasse une erreur, ça pourrait être dommage. Sur mes fonderies avancées, c'est quoi ça? Non. Et celle-là. Ouais. Hop. Ah oui, c'est vrai. Ce petit truc stylé là. J'aime bien. Ouais, je vais devoir supprimer ça. C'est pas bien grave. Oh merde, alors il y a un truc qui est chiant par contre, c'est que je me souviens pas du tout de la distance à laquelle j'étais. Voilà. Ah, j'étais vraiment collé à celui-là quoi, ok. Ah ouais, bah, c'est parti hein. Là genre je fais ça et... Ça. Ah ouais, ça marche bien. Ça reste tassé, ah oh, ça c'est dommage, l'alimentation qui est pas au même endroit. Ça va où là? Mince. C'est là? Ok. Ouais, on va retirer les poteaux en attendant. Ouais, c'est peut-être pas plus mal que ça fasse comme ça. On verra. Fonderie avancée. Pareil, on va la mettre. Ah bah oui, toujours plus haut bas. Ah oui les gars, toujours plus loin. Hein. Oh putain, alors à placer celle-là, elle est un peu plus embêtante. Par dépoliment. Faut que je la centre bien. J'avais pas galéré comme ça tout à l'heure pourtant. Elle est centrée là. Ok, centrée. Ok. On est d'accord, c'est relié. Oui, c'est relié. Voilà, là j'aurai quoi? Bah j'aurai l'acier, je crois, et l'alu, hein.
là, tout ça, ça reste pareil. Il y a l'alimentation qui est pas pareil, j'ai zappé. Alors là, il... oh, ça c'est terrible par contre. Oh, le truc là qui... ah, ça fait moche. Oh, ça c'est pratique. Pour le coup, c'est vraiment à côté. Là, on peut pas faire plus à côté, quoi. Par contre, ouais, non, ça passe. On va dire c'est un peu au travers. Mais même pas. C'est... tu vois, il y a de la place là, il y a de la place, ça touche même pas. On croirait que c'est en plein dedans en fonction de la perspective. Mais même pas. Ah bon, là, l'échelle, par contre, faut pas demander l'accès quoi. Mais on est bien. Ah, j'aimerais bien l'alimenter là, celle-là, ce serait tellement plus pratique, tellement plus. Mais. Ce câble! Ah, c'est terrible. Ouais, ouais, ouais. Non, non, bah on va garder un là, hein, si vous voulez que je vous dise. On va faire un beau truc au milieu et un truc dégueulasse sur le côté. Avec lui qui partira un peu plus loin. Non, et en vrai, on a déjà nos... on a tout, hein. Ouais, ouais, on a déjà fait la fonderie avancée, donc hop, je vais sauvegarder le plan. Mettre où il faut, d'habitude il faudrait avancer, hop, moi je vais retirer ce que j'avais fait là, oui, qui sont sympas mais sans plus. Ah, je pourrais les mettre dans un truc poubelle plutôt que les supprimer. Ouais, bon, pour une, c'est vrai que c'est un peu con de les supprimer. Oui, si j'applique pas. Pas en compte les modifications. Ouais, quelques petits. J'ai mis quelques doutes quant à la fonctionnalité de ne prendre pas en compte les modifications. Pour le coup. Ah merde. Oui, j'ai fait une fonderie avancée, mais c'est la fonderie avancée quoi, prog ou non prog? Parce que. C'est vrai que pour ça. On avait fait deux types différents. Ouais, c'est la non prog celle-là. Ah merde, c'est la prog. J'ai bien fait de monter. Hop, renommé. Prog. Pourquoi il y a des S? J'en sais rien. Fonderie, avancée. Alors, me dis pas que j'ai copié 50 000 fois les plans. Bingo. Oula, oula, et bon. Je calme. Modifier celle-là, on la supprime. Fonderie avancée. Pas d'intérêt. Date là, toi. Pourquoi je fous ça dans les constructeurs? J'ai un truc spécial assembleuse et je fous ça n'importe où. Ce... ajouter une catégorie. Je peux pas la renommer. Bonjour. Ah, si. Fonderie. Sélectionner une icône. Rajouter une catégorie. Fonderie. On sait cette fois. Pluriel, on peut, yes. L'autre du coup j'aurais dû le faire pareil. C'est pas grave. Appliquer, tac. Fonderie. Assembleuse, tu vas dans assembleuse. Constructeur, tu es constructeur. Fonderie, tu vas dans fonderie. Fonderie avancée, tu vas dans fonderie avancée. Merci. Ça chacun est là où il doit être.
Qu'est-ce que c'est que ce titre? Ah oui. Constructeur. Ah ouais, je pourrais faire prog non prog. Allez hop, tu vois, on va faire ça bien. Prog. Ah d'accord, ouais. Non. Prog. Toi, tu vas là en plus. Hop. Assembleuse. Assembleuse, il y aura. Attends, pourquoi j'ai une assembleuse? Attends, j'ai fait une assembleuse. Ah oui, mais non, mais l'assembleuse dans tous les cas, c'est une assembleuse avec un prog. Ou de mon prod ici, et il y a du prog. Je vais ajouter la sous-catégorie non prog. Voilà, comme ça, on fait ça bien, on fait ça propre. Ce qui fait que là, je vais me faire ma modification et il va falloir que je le fasse en non prog. Il n'y a pas un problème avec ce répartiteur? Ah non, c'est bon, je me disais, attends, mais attends, pourquoi il n'y a rien qui. Répartiteur, répartiteur, l'entrée elle est où? Bonjour. Hop. Ok. Oh non. Oh non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est bon. Ah, j'ai cru que j'aurais. Que je devrais avoir. Que je devrais refaire, on va dire. Aller chercher les pylônes pour refaire sa propre. Non, c'est bon. Ah, ok. Avancer prog et non prog. Regardez, il est dans mon plan pour y avancer. Fournerie. Voilà. Hop, on a fait les. Putain, et on a déjà pas mal avancé en une bonne demi-heure. Là, par contre, on va passer à ce qui est un peu moins drôle. Les raffineries. Vider le modeleur. Bonjour, merci. Les raffineries qui prennent une place monstre. Ça, c'est terrible. Vraiment. C'est vraiment terrible. Alors c'est bon, elles sont plus petites là-dessus les mots. Non mais attends, elles sont vraiment plus petites. Hein. Ah mais c'est ça. C'est pour ça que je comprenais pas. Ça y est, je comprenais pas. Il y a une différence de taille. J'étais en mode, mais attends, mais c'est pas logique. On peut y avoir une différence de taille. Regardez. Alors ouais, bon, on va essayer de le mettre sur la même ligne, mais. Non, même pas. Wesh. Il y a une illusion d'optique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit là-dedans. Il y a un délire, je sais pas pourquoi. Non, toujours pas. J'ai pas l'habitude du bouton accroupi à cet emplacement, faudrait que je le change un jour. Alors, entrée. Sortie. Je vais faire en plein milieu, sinon je vais galérer. Et bon, ma question c'est, est-ce qu'on a de la place de passer en plein milieu? Pas ouf. Le problème étant... Donc là... Bah, niveau hauteur, pas ouf. Et j'aime bien ce qu'on a fait là-bas au... raffinerie de pétrole, c'est-à-dire faire des trucs de 3. Enfin 3 d'un côté, 3 de l'autre. C'est que c'est l'avantage de ce...
L'avantage et l'inconvénient des raffineries, c'est que là je peux dire bah on fait passer des trucs au milieu, mais à la place je gagne en place. Ça fait deux fois place, mais c'est pas grave. Ailleurs. Admettons que là. Ouais, je suis même pas obligé d'avoir beaucoup de trucs. Parce que admettons. On admet beaucoup de choses. Hein. Je l'ai pas ça. Ah. C'est où? Ah, support de pipeline. Hop là. Là j'ai mon tuyau. Alors par contre on va partir sur du MK2. Manque du plastique. Oh, terrible. Un de plastique. On va pas aller loin avec un de plastique. 20. Ouais, bon. 1 plus 20 plus. Eh ça. C'est fait exprès ou. Ah voilà. Non, parce qu'au bout d'un moment, quand même, on pose des questions. MK2, MK2, on disait. Truc tout con. Là, j'arrive là. Ah, ça, c'est chiant, ça. J'ai oublié ça. Ah, j'ai oublié un détail qui en est pas un. Et ouais, c'est ça le truc. Et qu'on alterne une sortie liquide, une sortie solide. Et je crois qu'on peut pas. On peut pas. Alors, il me semble pas. Mais changer, dire le solide ça sort à gauche, le machin ça sort à droite. Pardon. Ce serait trop bien. Mais. Bascule rapide. Oh. Oh, j'ai appris un truc. Tourner, non. Placer selon une guidage, content. Non. Non, 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 non. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de passer les tuyaux en dessous. Ça, c'est dommage. On va retourner dans notre logistique. Est-ce que là, ce serait bon? Ah, si. Là, ça passe tout seul. Je trouve que ça passe en dessous, je trouve ça propre. Alors, le virage, il en faut combien là? Il en faut combien? Parce que bon, ça, c'est pas que c'est moche, mais c'est moche. Voilà. Moi, je trouve ça juste parfait. Moi je trouve ça beau en vrai, il y a quelque chose. J'ai pas forcément les meilleurs goûts, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Hop, que là ça aille. Ici. Moi j'aime bien. On va pas me gourer là. Ah, des indicateurs. Rien à foutre des indicateurs. Alors ouais. Rien, rien à foutre. à tort hein, sûrement hein, mais. Moi si j'ai besoin de voir, je clique sur le tuyau direct. Hein. Parce que là on a ça. C'est quand même beau. Les trucs qu'il faut. Et ça en fait le truc c'est de le répéter sur. Sur des patterns, mais. Je vais avoir besoin de deux patterns, je crois. Ouais.
Là par contre ça va être chiant. Oh pattern, non, ah non, oh, je vais me démerder pour en faire que deux. Hein. Parce que là, en fait, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon non plus. Donc je me suis fait chier à faire des virages pour rien, mais c'est pas grave. En fait c'est ça. Hein. Et si j'ai des croisements. Que là il faudra penser que ça se barrera là-bas. Et je suis même en train de me dire que on a 600. Qu'est-ce qui produit beaucoup de liquide? Cent vingt, oh merde. 120. Il y a un truc qui me agrime un peu. Déjà, vous posez la question légitime. Ah, tu fais passer où tes convoyeurs? Alors à la base, mais tu dis, alors regardez, là, je fais un truc comme ça là. Et pas m'aider un peu là quand même. Voilà. Mais regardez, c'est juste parfait. Je me suis dit, mais là comme ça, c'est magnifique. Là, je fais genre. Ouais, bon, là, c'est peut-être un peu abusé, mais là. Là, il y a une arrivée. S'il te plaît, aide-moi. Merci. Là, ça passe par au-dessus. C'est genre vraiment parfait. C'est économie de place et tout. C'est optimisé. Que non. Parce que. Sauf que double non. Oh là là, oui, bah merde. Moi j'ai dû penser aussi. Parce que je vais avoir besoin du départ, donc les tuyaux de départ de liquide. Donc la sortie, hein, grosso modo, de la raffinerie. Et l'alimentation aussi de la raffinerie. Donc les tuyaux d'arrivée. Et ça, c'est pareil pour les convoyeurs. Donc ça, ça jarte. Ouais, je suis un peu triste, je vais pas vous mentir. Dans ma tête, c'était bien et après, c'est parti en cacahuète. Ah, oh, si ce n'est que ça, comme d'hab. Heureusement. Pas arriver là pour l'instant. Ça, je peux le faire arriver ici. Pipeline. Hop là. Voilà. Voilà. Ça, ça change pas. On a l'arrivée. On a la sortie. Oh là, je peux pas y arriver. Moi qui vais pas y arriver, ouais. Bon, là, j'ai pas besoin de mettre. Si, je vais en avoir besoin, mais pour autre chose. Non, c'est parce que je pensais ça va pas vouloir. Là, je vais avoir besoin de faire un virage serré. Et dans tous les cas, je vais devoir récupérer ce qu'il y a là-bas. Donc, je vais faire un convoyeur. Alors, j'ai peur de convoyeur ici. Ah, arrête, c'est exactement la même pente. Oh, c'est dégueulasse. La pente elle est la même, mais il veut pas. Ah, mais est-ce que c'est pas à cause de ça? Bah non. Peut-être. Alors attends. Non, regroupe là. Bon, non. Il veut pas. Bon, la pente sera moins pentue de ce côté. Et là, le regroupeur, pareil. Ah d'accord, faut vraiment viser où, hein.
Là, on aura un autre groupeur, mais cette fois qui se barrera par là. Et un qui ira comme ça. Ça prend vachement de place. Ça prend trop de place à mon goût. Hein. Mais... Il y a quelques soucis avec... avec ces tuyaux là, à ces convoyeurs en pente, ils ont du mal à être visés. Bon, reprenons. Est-ce que là, pur hasard? Parce que là, si j'arrive à faire comme ça, déjà c'est un bon gain de place. Non. Et... Oh? Oh, aussi? Ah bah alors là, je suis agréablement surpris. Même si je me dis que ça servira peut-être à rien. Oula, merde. Au moins là je sais que c'est dedans. Toi, bah, mon ami. Ouf. Et là mon objectif ça serait de le lever assez. Ouais. On se faisait comme un visage, c'était flippant là. Bah, même là il veut pas, oh, d'accord. Ouais bon après il s'en fout de la taille à partir du moment. Question. Oh ça passe. Ça je m'en fous de ça. Oh ça passe. Ah alors là je suis très agréablement surpris. Ah oui non mais tellement. Ah oui oui totalement. Totalement très agréablement surpris là. Oh là là. Je n'aurais pas pensé. Hop là, il y aura le retour là-bas, c'est bon. Ouais, enfin ça passe, mais là, pas ouf quoi. Peut-être devoir le décaler. Non, celui-là on peut pas parce qu'il y a l'échelle. Et à me dire, peut-être à peu près là. Et là, il aura raison là. Ça passerait un peu trop dans l'échelle. Et par contre, ce que je peux faire, c'est dire, ah ouais, mais là, par contre, là, tu peux faire un effort, tu peux te mettre là, toi. Oui, 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 toujours à chercher là, la petite bête là. Ah, là en vrai. Si tu me dis que toi tu sers à quelque chose. Eh ? Non mais. Ok, d'accord. Pour lui j'avais appuyé sur contrôle, c'est pas grave. Que là on gagne de la place. Bon on gagne de la place mais bon. Ah non plus Non bah là ça va être un peu tendax, hein, tendu du fiac comme on dit chez nous. Mais là ça passe bien mais là ça passe pas. Ouais 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 ouais. J'aimerais bien le mettre vertical lui en vrai. Pas moyen de le foutre en vertical. Le pire c'est que je sais qu'il y a moyen de le foutre en vertical parce que c'est possible. Mais... Mais il veut pas parce que là si je fais ça... Regarde il est tout con. Hop là. Pas plus compliqué. Juste le... Ah oui mais... Ah putain, y'a pas de croisement de pipeline sur. Sur. Ah merde, là, il m'en faudrait un 6. Un double croisement. Ça se fait pas, ça? Ça existe pas? Je sais pas.
pas dans le. Je suis pas dans l'eau. Enfin, je suis pas dans l'eau. Je suis pas dans les liquides. Ouais, vous doutez que je suis pas dans l'eau. En train de prendre un bain, faut pas déconner. Donc, ouais. Là j'aime beaucoup ce passage parce qu'il me gêne vraiment pas, et là par contre vraiment gêné pour le coup par après je peux rapprocher hein, je suppose hein. Trop court, terrible. Sur les deux alors. Voilà, mettons on est là, là on fait pareil, hop. Là il se barre là. Ah c'est marrant ça, il a besoin d'un peu plus. Et là il se barre là. Je fais comme ça maintenant. Ouais, si ça peut me faire gagner de la place. Hop, là et là. C'est à cause de ça là qu'il peut pas. M'embête pas sur le terrain du voisin. Oh, 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 oh. Ils se font pas chier. Ah merde. Non, là je suis bloqué. Bon, c'est autre chose, hein. Rentrer dedans. Admettons qu'on est nos convoyeurs là, comme ça. Pas du tout, c'est pas ce que je voulais faire. Admettons qu'on est nos regroupeurs. Quoique, c'est quoi, c'est ce qui sort ça? Oui. Donc là, on est. Le truc qui se barre là-bas, là, qui passe sa vie, machin. Ouais, bon, alors tu me diras, c'est bien de faire monter, mais bon, il y a quand même des limites à la prise de hauteur, c'est ça? Je comprends. Putain, c'est vrai qu'il existe ça. J'avais totalement oublié son existence à ce machin là. Putain, mais j'ai dû simplifier la vie de fou là. Bah oui, ah mais non, mais oui, c'est clair. Je vais tellement simplifier la vie, attendez. Hop, putain. Parce que ça je m'en fous, et ça je m'en fous, et ça je m'en fous aussi. Voilà. Alors, ah oui, alors. Simplifier la vie de fou, mais pas non plus. Est-ce que je les mets où, mon meilleur groupeur, comme ça, là? Hein? Hein, ou c'est que c'est-il comment que je les fous moi? Ah bah attends, par-dessus? Alors là, si ça passe. Je sais pas s'il se passe des choses bizarres. Ah, rien moi, comment je fais pour mon truc là? Alors il va falloir bien viser. Hein. Genre. Non, pas répartir en groupeur. Bah non.
S'il me faudrait deux entrées valides et là j'en ai qu'une non plus. Raté. Bien essayé mais non. C'est cela hein, pas trop le choix alors. Regroupeur, regroupeur, c'est où? C'est là. Hop, hop, tac. Et tac. Est-ce qu'il me permet de le faire comme ça? Est-ce qu'il va me dire non, je suis trop. Oula. Vraiment, il veut pas. Tu peux pas t'approcher un peu là? Je crois qu'il s'est vraiment connecté. Hein. Je crois que le pire c'est qu'il s'est prêt. Ah, c'est le meilleur ça. Deuxième essai. Voilà. Là, ça me paraît correct. Là, je mets tout ça en hauteur. Est-ce que je suis aligné? Non, c'était pas aligné. Ok. Hop. Oh, impeccable, ils sont bien alignés direct les autres. Tac. Tac. Ce qui fait que là j'ai juste à mettre un truc qui relie les deux. Le reste viendra de derrière, par là-bas. Oh, on est pas mal. On est pas mal. Je vais faire les tuyaux. Tout ça c'est que de l'arrivée en plus. Je préfère faire l'arrivée des tuyaux en hauteur et le départ en bas. Je m'explique. Mettons un tuyau. Je pense que là ça devrait être. Alors, dedans. Ok d'accord. J'ai compris. Tu ne veux pas te placer, bah tu passeras quand même. Voilà. Rien à foutre. Hein? Ah, j'ai cru qu'il pouvait pas se mettre au milieu, je sais pas pourquoi. Hop là! Lui là, il va arriver. C'est un autre croisement, forcément, parce que j'ai oublié qu'il fallait mettre des croisements. Ah, on oublie vite, hein. C'est pas le port de l'être humain, la mémoire, apparemment. Non. Là ça va venir par là. Et laisse-moi deviner, du coup je peux plus placer parce que je l'ai passé pile où il fallait. C'est ça, oui. Bon, par contre là je connais ma petite méthode. On me la fera pas à moi. La sortie elle est où? La sortie elle est là. Voilà. Ouais ça allait vite mais t'inquiète, on verra plus tard. Ouais. Non mais en fait elle se voit pas mais il y a des petits réacteurs, enfin un truc anti... comment ça s'appelle? Anti-attraction, enfin t'inquiète. En fait, il y a des gros aimants en dessous, mais des trucs qui aimantent que ça, parce qu'il peut passer dessus. Enfin, t'inquiète. Ouais, enfin, t'inquiète. C'est pour penser. Salut Gangwing. Là, je schématise la prod pour les lingots de fer. Et tout ce qui sera plastique aussi un peu plus tard, caoutchouc, carburant, etc. Et là actuellement je me charge de la sortie. On va dire ouais la sortie des matériaux donc qui sera mettons plastique résiduel. Bah la sortie de polymère et d'eau. Et maintenant je vais devoir me charger de l'entrée. Donc l'arrivée des nouveaux matériaux. Pour les raffineries d'après. Je t'explique, ce que je voudrais faire c'est avoir une chaîne en mode un peu à la queue leu, c'est-à-dire là j'ai deux raffineries,
hop, on regroupe le tout. Derrière, j'aurai encore deux raffineries. On regroupe le tout, etc., etc. Donc là, j'ai fait toute la sortie, on va dire, toute la sortie de prod. Tiens, d'ailleurs, hop, ce sera un peu plus malin si je fais un exemple avec ça, voilà. Bah non, toujours pas. J'ai rien qui me prend deux en entrée, là. Ah si, voilà. Et mais j'ai rien qui me prend deux en sortie. Attends, c'est un délire, ça. Bon, ça, j'ai rien qui... Ah si, voilà. Ah bah parfait. Deux en entrée, deux en sortie. Donc là, comme je disais, j'ai fait les éléments sortants. Exactement. C'est ça, en fait, je vais utiliser le principe de... Comment on peut dire ça? Imaginons que j'ai une chaîne qui va consommer 200. Je vais en envoyer 210. Comme ça, au fur et à mesure, bah, ça va remplir au bout. Ça va remplir le stade juste devant, plus juste devant, plus juste devant, jusqu'à l'entrée. Et... Ou même, on va dire, même si t'as la prod pile, au bout d'un moment, c'est censé s'équilibrer, mais c'est vrai que ça va mettre un temps à s'équilibrer. Bah, je t'avoue que je suis un flemmard, moi, donc si je peux faire les trucs où j'ai pas trop besoin d'aller... réfléchir une fois que c'est posé, c'est bon, ça fonctionne. Moins j'ai à revenir, plus ça me va, donc je me suis dit, je fais fonctionner... On va dire soit en quantité un tout petit peu plus haute, soit en quantité pile, ça me va. Et bon, là actuellement je schématise les chaînes de prod. Mais hop, je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Attends, je vais essayer de te montrer. J'ai fait un petit tableau à côté. Putain, ce sera. Ce sera un avant-première. Je vais voir si je peux le montrer sans me tromper d'écran. Est-ce que ça a marché ça? Yes. En gros, j'ai répertorié un peu tous les plans que j'ai. Donc ça soit générateur, communication, composé, etc. Tous les plans qui sont disponibles. Ce que ça consomme, ce que ça produit. Là, je pourrais mettre ma stratégie de prod. Imaginons, je dis, tiens, il va me falloir... je sais pas, par exemple, je vais produire 4 fois des tiges en acier alternatives. Ce qui va faire qu'au niveau de ma stratégie de conso, je vais avoir de la consommation en tiges d'acier, etc. Et au niveau de ma production, ça va me produire certaines tiges de fer. J'ai encore à faire le différentiel entre consommation et production. Parce que là, par exemple, c'est bien, je consomme du lingot. Lingot d'acier, vu que là actuellement j'en produis pas, bah normalement je suis à moins 48, donc il me reste encore cette petite différence à faire au niveau du tableau final. Tiens, d'ailleurs, lingot d'acier, voilà. Là en fait j'ai juste à faire encore égal ça moins ça, tout le long, grosso merdo. Et voir en gros, tant que je suis dans le négatif sur cette colonne là, c'est à dire que j'en produis pas assez. Donc là admettons il me faut des lingots d'acier, là il me faut 48 lingots d'acier. Je vais me dire tiens, produit des lingots d'acier, je sais pas, je vais en mettre 2, j'en produis 90, 1, 45 c'est pas assez donc je vais en produire 2. Ce qui fait que dans ça va me rééquilibrer à ce niveau là, ça va me dire bah je produis 90, j'en consomme 48. Donc je produis on va dire en excédent. Et cet excédent, par exemple, pour les lingots d'acier, bon, non pas pour les lingots d'acier, mais si c'est par exemple de la poutre en béton armé, c'est bien d'avoir un peu d'excédent pour le mettre en stock un petit peu plus tard. Voilà, voilà. Je vais tout reset, par contre, au niveau du... Parce que ça, je m'en suis pas encore occupé. Ce sera pour un peu plus tard. Quand j'aurai fini ça. C'est vrai que ça me demande pas grand travail, mais je le ferai pour plus tard. Tu utilises la recette plastique, caoutchouc et inversement. Excel se gueule en boucle à l'infini, il veut pas calculer. C'est pour ça que j'ai divisé en plusieurs...
comment ça s'appelle, en plusieurs pages, fiches, feuilles. C'est écrit là, je suis con. C'est en fait, vu que je paie des sommes sur chaque page, eh ben, j'avais le même problème que toi. C'est que vu que je reprenais le calcul d'une cellule, mais qui reprenait le calcul d'une cellule qui est déjà utilisée, enfin voilà. En fait, ouais, c'est ça, en fait, ça met nul parce que ça va refaire un calcul infini, comme tu dis. Et en fait, essaie de mettre des, on va dire, des cellules de calcul alternatives pour limiter ce problème. Moi, si tu veux, j'essaie de m'arranger à avoir soit que des multiplications. Par exemple, là, c'est vraiment tout con. Hein. Multiplication qui dit, bah là, je produis production. En gros, c'est nombre de lignes de production fois la quantité produite. Et là, après, j'ai juste à faire des sommes. Non, c'est où c'est là. Et là, ensuite, voilà, là, j'ai juste à faire de la somme. Alors, de la somme de plusieurs trucs. Mais en faisant ça, juste cette petite division, on va dire, de... des... Enfin, limiter la quantité dans les lignes de calcul, dans les cellules de calcul. Et bah, ça permet de... Moi, ça m'a permis de ne pas avoir justement cette boucle infinie. Tu vois, là, par exemple, là, je récupère juste une valeur parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est produit. En fait, j'ai rempli ça à la main, les champs de la conso avec les deux recettes. Ouais, tu peux faire aussi. Après, en fait, ça, tu vas le faire un peu à ta sauce, tu vois, si tu te sens plus à l'aise avec une partie faite à la main. Bah fais-le à la main, si tu te sens plus à l'aise en faisant tout calculer, on va dire, automatiquement, fais-le en calcul automatique, mais vraiment, en fait, ton tableau, vu que c'est toi en plus qui te le crée, c'est toi, approprie-le-toi pour qu'il soit le plus facile à l'utiliser, pour ton utilisation, ouais, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Après, j'ai vu que sur certains sites, je sais pas trop ce que ça donne, mais ils proposaient des calculateurs de ressources nécessaires, etc. Je sais pas si ils proposent un peu la même chose pour les productions consommation. Tu sais, par exemple, tu dis, ah ouais, j'avais besoin de 10 usines, combien ça va me demander en ressources? Voilà, ben ils le font sur certains sites, mais pour ça, je sais pas. Et ouais, t'as raison, franchement, en plus le coût du tableau, alors, c'est un peu dur au niveau de la création parce que c'est un peu chiant, faut pas se mentir. Mais une fois que c'est fait, ça facilite tellement la vie. Statis calculator, tiens, je vais aller me noter ça, je regarderai. Celui avec la map. Ah ouais, un truc avec la map en plus, ah ça peut être pas mal. À voir, status calculator, bah voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, je vous dirai si ça fonctionne bien ou pas. Satisfactory tool, c'est le meilleur à mon goût. Attends, je vais checker ça de suite. Ça. Calculator. Ah ouais, tu peux dire que je produis des moteurs. Je mets ton nombre d'items minutes. Ah ouais, ça te sort un... Ah ouais, c'est pas mal foutu. En gros, tu veux dire, je veux 10 moteurs. Attendez, je vais voir si je vais le mettre sur la page. Hop. Hop là. Ah ouais, par exemple, là, j'ai juste dit, je veux 10 moteurs en construction. Ça me dit ok, bah pour avoir 10 moteurs, il faut de l'assembleur de rotor, 5 assembleurs de rotor, 4 de stator et tout. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Même en énergie. Oh, oh ouais. Ça te donne la liste de tous les items. Ah, et le mec, il a fait ça bien. Moi, j'ai un peu la flemme de faire ça, je t'avoue. Le mec, il a eu la foi, mais il a vraiment eu la foi de fou de le faire. Enfin, j'ai totalement la flemme. Mais ça, c'est vachement pratique, hein. Sans entrer, t'as dispo et optimise tout. Bah ouais.
Et est-ce que ça prend aussi en compte, je pense en plus que ça peut prendre aussi en compte le... tu sais, les boosters. Tu dis par exemple, je veux produire à 150%, 200%. Parce que là, ouais, il y a même... Ah ouais, on se rend compte que c'est 315 de minerai de fer pour 10 moteurs par minute. Non, si, tu peux choisir les recettes. Ah ouais. Ah la vache! Ah, il y a la liste de toutes les recettes. Oula. Ah ouais, toutes les recettes non débloquées. Waouh, mais c'est trop bien. Ça permet de voir tout ce qu'il y a. Ah, ça c'est trop bien. Bon, ça on s'en fout, les beacons apparemment ça va être supprimé. Place framework. Ah oui, il y a ça aussi. Oh, purée, ça c'est propre. Après, ouais, ça fait... tu fais le calcul toi-même et après ça passe quoi. Une petite puis lui dire les ressources injectées au max, il va essayer de faire sortir... Ah purée. Ah, le mec qui s'est fait ça, il s'est chauffé, franchement, il a fait un bon taf. Hein. Hein? Ah oui, une recette comme ça? Ouais, celle-là, je l'ai. Ah, steel pipe. Ah, c'est pas mal ça. Ah, j'aurais trop eu la flemme de coder un truc comme ça. J'en ai fait des trucs à la con, mais alors là... Franchement, eh ben je le garde en mémoire, ça s'appelle Satisfactory Tools. Franchement, bah n'hésitez pas à aller checker, voilà, si ça vous intéresse. Parce qu'il y a énormément de d'aides pour calculer. Hein. Tu fais ton truc à chaque fois, en fait, on va dire à chaque phase de l'ascenseur orbital. Oh, ça met bien. Oh, ça met bien d'ouf. Bah merci de m'avoir fait découvrir ça, hein, franchement. T'as une réutilisation des ressources, putain. Après, ouais, ça je comprends parce que t'es un peu obligé par... par moment. Par exemple, je voyais avec cette recette là, t'as de l'eau. Et t'es obligé de l'utiliser sinon... Non, t'es en mode, bah merde. Rien qui est produit. Y a trop d'eau dans mes tuyaux, ça va péter. Eh merde. Bon, en même temps c'est normal, imaginons l'eau si je me trompe pas en plus c'est incompressible. Et ben un truc comme quoi, ouais les liquides c'est incompressible. Bah oui c'est chaud. Allez, je vais continuer juste au niveau de la de l'entrée des ressources. Là on a les sorties qui sont là, ça va les enquiller. Là, ça partira de ce tuyau-là, on pourra les enquiller. Et là, ce sera à faire plus tard à ce niveau-là, mais il y aura juste à ramener ça en latéral. Rentrer des ressources, ça va être un peu embêtante. Ah, j'aurais peut-être pas dû le mettre au milieu, ça en vrai. Après, en largeur, j'ai pas assez, on est d'accord. Imaginons que là, je vais faire ça. Ouais, non, j'ai pas assez en largeur. Pas grave, je vais le mettre autre part, on va le décaler. Je le décalerai un répartiteur par là. Ou alors. Ouais, j'ai déjà pas mal d'heures de jeu sur
Et tiens, on va regarder. 200 sur la... Oh merde. 200 sur la partie, bon, quelques nuits à... Allez, on va dire 3-4 nuits à laisser tourner pour... Pour faire un petit peu de prod, un petit peu de stock, mais ouais, ouais, j'ai... J'ai pas mal joué. Hein. En vrai, c'est super sympa ce jeu. C'est chill. Tu peux prendre ton temps, t'es pas... c'est pas un peu genre MOBA, MMO... T'es pas pressé, tu peux vraiment être... Bon, sauf de temps en temps, quand t'as un monstre qui vient de taper dessus, tu sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est ça qui est super plaisant avec ce jeu. C'est que c'est chill, quoi. T'as envie de te poser à un moment, tu lances le jeu même 10 minutes, ça pose pas de soucis parce que tu peux sauvegarder quand tu veux. C'est vraiment agréable. Alors, j'étais même en train de penser là, est-ce que si je fais un répartiteur programmable, je peux tout mettre sur la même ligne, mais ça ferait que ce serait trop vite. Je pense qu'il y aurait beaucoup trop de matériaux sur les convoyeurs trop vite. Ah ouais, tu passes très vite du temps. Tu vois une heure qui a passé, tu vois deux heures, là tu fais ah merde, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Oups. Il y a un client qui m'attend bientôt. Ouais. Mais c'est ça qui est bon, c'est le jeu où tu vois pas passer le temps, c'est le meilleur. C'est vrai ça d'ailleurs au niveau des tuyaux. Ouais bah je m'étonne. J'étais en train de dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas des répartiteurs, des tuyaux répartiteurs programmables. Ouais bah non. C'est pareil des liquides, c'est pas le plus simple. Le mec qui a trouvé ça. Le mec qui trouve ça, c'est un génie. Enfin de manière simple quoi. Bah il est riche. Il est riche, il a réglé les problèmes de soif dans le monde, d'eau dans le monde et tout. Ouais, c'est un génie. Bref. Répartiteur, est-ce que je mets vraiment un programmable ici? Je mets un programmable et je changerai. Non, je mets des normaux et je changerai pour un programmable. Quoi. Tu as les valves à la limite? Les valves. Bah ça limite les débits, les valves, mais à part limiter le débit. Je t'avoue, j'ai jamais testé ça. Ah, moi, je manque de caoutchouc. Mais pour moi, là, quand je vois la description, juste limite le débit. Ah. Donc. Ah, oui, bah. Pour répartir les débits, tu peux jouer sur la hauteur d'eau. Ah, quand tu utilises de la flotte? Ah, par exemple tu fais monter et tu sais que ça va se... Imagine tu mets une pipeline en hauteur. Eh ouais. Ah pas mal. Ouais. C'est vrai que si t'as de la hauteur ça peut être vachement efficace. Par contre ça monte où? Ça monte combien? C'est à 20 mètres je crois un truc comme ça. Mais du coup le surplus t'en fais quoi parce que tu peux pas le jeter en fait. C'est ça le problème. Enfin tu peux mettre dans des... Comment ça s'appelle des... Ouais c'est là, réservoir. Oui, les packagers, c'est vrai. Ah oui, si tu fais du plastique. Ah, c'est pas con, ça. Ah, j'y ai pas pensé, ça. Savez, si tu fais des packagers qui prennent des liquides, tu fous ça dans du plastique et tu envoies le plastique dans... Enfin, tu envoies les... Tu envoies ce qui sort dans un broyeur, t'es bien. C'est vrai que pour certains trucs, des fois, qui peuvent produire trop. Par exemple, l'eau. Alors, c'est con à dire. L'eau, je sais pas, ça devrait être réutilisé là, on devrait pouvoir genre l'asperger là et avec un mélange tu vois, tu mets de l'eau, du soufre un petit peu, je crois comme dans la réalité, et... du soufre. Je sais pas si c'est du soufre, mais en gros ça fertilise et là tu refais pousser des sols, c'est peut-être sympa. Avec la recette du béton, c'est vrai ça.
Béton humide. Ah ouais, ouais, c'est vrai ça. Surtout que ça a un bon ratio par minute. Là où les constructeurs, en vrai, c'est pas ouf. Le ratio des constructeurs, il est pas terrible, si je me trompe pas. C'est 15 par minute, ouais, c'est terrible ça. Ouais, comme ça ça consomme 120 d'eau. Et du calcaire, ouais, c'est vrai que le calcaire on a pas mal. Je crois que là j'en ai deux que j'utilise. Là qui doivent être par là. Ouais. Normal, normal. Ah, c'est vrai que j'en ai deux qui sont bien. Mine de rien. Dis donc, pour un désert ça manque de. Oui, bah tu m'étonnes, un désert ça manque de calcaire. Ouais, c'est pas anormal. Peut-être un peu plus de silice qu'autre chose dans un désert. Enfin, je dis un peu plus de silice, mais au final, bah, c'est vrai que tu fais du silice avec le quartz dans le jeu. Il y en a pas. C'est comme le charbon, bah en fait, c'est un peu comme tout. On va y chercher le gros, ça. Ah, c'est terrible. Cet emplacement, il est génial au début et il est terrible très vite. Je sais pas si t'as déjà essayé. Ouais, ouais, j'ai la tour de radar, j'en ai mis une fois, mais. Tu vois, là, il y a quelques ronds, c'est des. Oh. Ce sont des résultats des tours de radar. Hein. Mais je les ai pas gardés parce que. Bon, une fois que c'est découvert, après je m'en fous un peu. Ouais. Ce que j'avais fait. Ouais. C'est vrai que pour le pétrole, je vais en chercher là et je vais en chercher là-bas. Avant. Parce que avant, c'était quoi? C'était genre juste pour prendre de la hauteur, c'est ça? Un peu comme avec. Comment ça s'appelle? Ils l'ont fait un truc. Organisation. Un tour d'observation. Ah bon, sérieux? Ah ouais, mais il y a quelques trucs qui servent à rien. Il y a. Pareil, il y a. Il y a quelques ressources là. C'est où? C'est là-dedans, je crois. Genre ça, là, les sphères de Mercer. Les sommaires soupes qui devraient servir à quelque chose dans un avenir proche ou pas. Ouais, là on est là. Et alors, est-ce que les entrées de tuyaux sont au même endroit? Ouais, ok. Ça c'est bien. J'ai pas un peu abusé sur la distance des tuyaux. Ouais, le ME ça sert toujours à rien. Ah, ils sont là depuis le début. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont là, ils... Oh, ils abusent. Ouais, ouais, ils ont peut-être abandonné le truc, c'est possible. Est-ce que je peux gagner de la place? Non, besoin, ouais. Je vais gratter un peu de place. Ici, le but c'est de coller le. C'est de coller un maximum. Et toi, ça fait depuis le début que tu joues du coup? Bah, je suppose. Ah oui, c'est vrai que c'était sur Epic. Oh la vache. Après, c'est bien parce que. Au moins, si t'es là depuis le début, t'as dû voir les sorties petit à petit, pouvoir t'adapter à. Enfin, en fait, tu découvres petit à petit ce qui sort et t'es pas débordé par les informations. Bah, par exemple, d'une mise à jour. Moi, là, j'ai commencé, je connaissais rien avec un pote qui avait commencé depuis quelques années. J'étais en mode, mais attends, avance moins vite. Il m'a fait découvrir ça, une carte multi. J'étais en mode, oulala, attends, je suis panique là, mon ami. Qu'est-ce que. Déjà, à quoi ça sert ça, ça, ça et ça? À quoi ça sert une foreuse? Voilà, j'en étais là au début.
Et lui il était en mode ah t'inquiète, il avait déjà fait le charbon, moi j'étais en mode ça sert à quoi une foreuse presque. C'est... J'exagère mais c'était le principe. Avec l'arrivée d'ici sur... Ah oui bah oui tu m'étonnes. Alors... Ça ça va parce que mon pote m'a expliqué et IRL il travaille... Son taf tu vois, il travaille dans... Grosso modo c'est... Il est bah, justement sur des chaînes de production de liquide. Donc lui il va expliquer ça, j'arrive même pas à un topo, ça a été parfait. Genre... En 5 minutes il m'a expliqué, ça a été fait. Mais c'est vrai que purée, à prendre en main, savoir question de hauteur, etc. Prendre en compte tout ça. Sortez direct en bidon, mais non. Ah donc sortez en, ça sortait en solide. Ah et après ils se sont dit ah ouais mais attends ça déconne un peu. Ah à des barres. Ah ils se sont dit non non on abuse. Tu m'étonnes. Ah tu m'étonnes. Ah putain. Genre c'était presque limite une foreuse comme, comme celle-là et ça sortait des bidons de pétrole quoi. Ah ouais j'avoue. Ah mais alors ça veut dire t'as ta map, t'as fait tes usines et là d'un coup on dit non non il y a une mise à jour et là ça fonctionne plus. Oh les enfoirés. Ah bah tu m'étonnes. Ah tu m'étonnes. Là on va avoir l'arrivée des nouveaux matériaux, oui. Et là je peux les faire ressortir à ce niveau. Après je comprends, c'est aussi en alpha donc faut se dire en bêta, alpha, bêta. C'est de l'alpha, early access. Passer de barrer les pétroles sur tuyau sur tapis au tuyau, tu m'étonnes. Attends, c'est bizarre, le pétrole il s'est liquéfié d'un coup, c'est quelque chose, j'ai pas compris. Ah tu m'étonnes hein. Mais c'est vrai que pour le coup là les calculs de liquide ils ont dû bien galérer sur sur le jeu. Oh là là. Je le mets comme ça ou non, non, je vais pas le mettre comme ça. Hop. Ah merde, tu t'en remets en plus, d'accord. Hop là. Bah surtout avec... parce que là je vois que... Ah ouais. Je vois en plus qu'il y a tout ce qui est azote, etc. qui est sorti après. Enfin, moi je suis arrivé, il y avait déjà l'azote. Mais quand je vois qu'il y a des liquides et tout qui sortent après comme ça, je me dis putain ça... Ça a permis ouais, d'apporter en plus masse ressources quoi. Enfin, vraiment différentes ressources au jeu. C'est cool. Merde, alors c'est dans quel côté? Ouais ça ça arrive comme ça, ok ça. Et on peut imaginer parce que... Ah ouais mais du coup au début t'avais pas d'eau, t'avais du charbon. Hop. Tu avais un tapis. Qui est chercher le pétrole un peu au sud, au cratère au sud-ouest. Cratère au sud-ouest. Par là? Ah, ou alors c'est là où je suis allé chercher... Putain, il devait avoir chaud les générateurs, putain. Pas d'eau, les générateurs charbon tournaient qu'au charbon. Ou ça devait chauffer un peu là. Bon, surtout les turbines, je me demande comment elles tournaient, mais c'est pas grave. Ouais c'est normal pour un début de jeu, c'est normal. Tiens, c'est pas droit là. Ah, putain j'ai pas fait la bonne hauteur. Le petit coup de coup là le ouf. T'inquiète. Hop, là au niveau de la taille c'est bon, c'est bon. Et on a les tuyaux. Les fameux tuyaux, et là ça va être moins drôle, parce qu'il va falloir enchaîner de la tuyauterie.
Oh, quoi que ça devrait aller. Hein. Hop là. Ah bah non, ça va pas le faire. Ah, si, si je le relis pas, ce sera bon. Oui, tu posais le générateur, tu mettais du charbon et t'es parti mode tranquille, j'avoue. Bah, c'est ça le truc aussi, c'est... Tu te prends pas la tête. Alors ça dépend après ce que tu cherches, mais... C'est vrai qu'il y a des jeux où par exemple, bah, tu vas chercher un peu plus... réfléchir, des trucs où tu vas chercher à être chill. C'est vrai qu'au moins... Là, vraiment, t'as zéro prise de tête, quoi. Hop là, alors. Hop. Ah non mais... Ah merde. Ah ouais, je peux pas le poser comme ça. Maintenant, faut amorcer les pompes avant, ouais. Bah, ce qui est plus logique d'un sens, enfin... Après, t'as toujours le truc du... il te faut une petite production de, d'électricité ailleurs, quoi. Ce qui est pas déconnant, en soi. Mais c'est là où ça sert, je trouve, les générateurs géothermiques. T'as plus besoin d'avoir un petit brûleur de biomasse de côté au cas où t'as tout qui s'arrête. Et ça, c'est cool. Ah, les onduleurs aussi, ça peut aider si c'est une petite coupure. Mais... Ouais, ouais. Mais la biomasse, à force de ramasser, si jamais un jour tu vides ta map, bah t'en as plus, et ça, c'est con. Ça, c'est un peu le... Moi, c'est un peu le truc qui me... Que je trouve un peu dommage. Si j'ai une remarque, tu vois, c'est vraiment juste ça. C'est... Ça repousse pas. Ou alors, je sais pas comment faire. C'est possible aussi. C'est très possible. Est-ce que ça, c'est... Ah. Ouais. Ça fait combien de sauvegarde? C'est vrai que avec tout ce que j'ai, j'en ai peut-être... C'est ce que me disait mon pote, mais j'ai jamais fait attention. Genre sur la tête des saves. Peut-être falloir que j'en supprime quelques-unes un jour. Mais... Parce que normalement, t'as... Ça sauvegarde la biomasse que t'as coupée. Ah. Ah, c'est pas con. C'est pas con d'un sens. Que c'est vrai que. C'est vrai que l'inverse serait embêtant. Ah, donc ça donne même pas envie de couper. Ah. Ah, j'aime bien l'astuce. Pour le coup, j'aime vraiment bien l'astuce. Ouais, c'est pour ça qu'il. Bah justement il devrait la refaire repousser comme ça il se prendrait moins chaud. Après je comprends, t'as coupé un arbre et t'as mis quelque chose et t'as mis une belle fondation, t'as pas forcément envie que... Ouais, ça je toucherai pas pour le coup, à mon avis, la limite d'objet. J'ai déjà fait trop de conneries avec des sauvegardes parfois sur... Pas forcément que des jeux, donc... Non, les sauvegardes, je touche plus. Ah oui, c'est vrai que ça prend un truc comme ça. Ah. J'essaie de... Depuis tout à l'heure, j'essaie de placer, mais vu que je suis pas concentré... Un gros mode pipeline. Je suis en mode merde. C'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop petit. Merde. Ouais, c'est bon. Ouais, ça ouais. C'est trop de trucs, ouais. C'est vrai que par rapport juste au début de la partie. Oh non. Bah, par rapport au simple début de partie, ça. Ouais, ça lag un peu. Attends, pardon, je passe là. On a vu. Attends, par contre c'est vraiment très drôle. Je peux monter encore? Ouais, je peux monter encore. Ouais. Ouais, j'ai la tête dedans, mais c'est pas grave. C'est vrai que... au bout d'un moment, ça doit consommer à max, quoi. Bah après, c'est un petit peu... C'est le même principe que ces jeux bac à sable, hein. Je pense que c'est pareil. Hein. Tout ce qui est Minecraft, etc. C'est... Ça doit bien lagouiller au bout d'un moment.
À 10 FPS. Waouh. À 10 FPS, c'est pas cool par contre. Mais ouais, forcément, si t'as. Oula. Si t'as vraiment avancé, tu vois, si t'as vraiment un truc bien petit et tout, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment ça en peut plus. Mais moi, je me posais la question, c'est est-ce que les répartiteurs intelligents. Enfin, parce que plus t'as de répartiteurs intelligents, je suppose, et plus aussi t'as de calcul à faire. Enfin, le PC a de calcul à faire et ça doit. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le calcul d'item. Ouais, c'est ça. Parce que là où dans certains jeux ils limitent les calculs à. Je prends en référence Minecraft parce que j'ai pas mal joué à une époque. Mais là où tu limites à des chunks sur Minecraft, là tu peux pas limiter à des chunks. Vu que possiblement tu produis un. Moi par exemple, je produis des trucs là-bas qui doivent venir là-bas. Donc ils peuvent pas se dire ouais, non, on fait des calculs que un certain diamètre parce que c'est pas possible. C'est vrai que là sur toute la map, ils sont obligés de calculer à chaque fois ce qui se produit. Et là c'est chaud. Ou alors ce qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement. Je sais pas, après voilà, ils ont des gens pour réfléchir et peut-être qu'ils ont trouvé mieux, mais. C'est que t'as un départ, c'est qu'à chaque croisement t'as un recalcul. Normalement t'as pas de recalcul, par exemple t'as pas un calcul entre là et là quoi. Alors, imagine entre cette partie là et cette partie là. Sauf s'il calcule en fonction du type de convoyeur, ce qui serait un peu con. Mais par exemple là il calcule entre ah merde, j'ai plus d'électricité. Entre mon groupeur et mon conteneur, il calcule en mode. Bah on attend qu'il passe par minute. Je sais pas. Ah, la gestion des trains, ouais. Ça, j'ai essayé une fois les trains. J'ai dit plus jamais. C'est terrible. C'est ouais, je sais pas. J'ai pas trouvé ça intuitif. M'en fous, je passerai avec des drones. En plus, comme ça, j'ai pas à faire toutes les lignes là sur tout le long. J'ai vu qu'il y avait des drones, ça passe dans les airs apparemment. Et pas me compliquer la vie. Alors, ouais, ok, ça c'est bon. Hop. Hop là. Est-ce que ça passe comme ça? Ah, ça passe un peu au travers, j'aime pas trop. Ouais, on va faire une exception, ça va passer. Là, je peux pas lever plus, d'accord? Non. Ah, oh, une centaine de trains. Ah ouais, non. Ah, une flemme. Ah ouais, non, les trains, une flemme, mais magistrale. J'ai dit, j'ai essayé, j'ai vu que c'était un. C'était pas forcément trop ça. Attends, mais pourquoi je décale pas, là? Ou à un endroit, hein. C'est pas terrible, ça. Hop là. Je suis dit non, bah ouais, non, les trains, on va les laisser comme ils sont, hein. Oui. Ouais, ouais. Hop, et ça. On va mettre là. Ça, j'ai pas besoin. Ah là, ça croise un peu, mais. Ouais, c'est pas Ouais, ouais, ça j'ai compris aussi un peu après, j'étais en mode attends, je comprends pas, et là tant pis les trucs, je fais ok d'accord, ça je peux rajouter ça, là je peux rajouter chargement, là je peux rajouter machin. Et ouais, au début j'avais totalement, j'étais en mode, oh, c'est quoi ce bordel, pourquoi? Après tu fais, ah ouais. Mais un jour je m'y pencherai, mais là actuellement, non, pas dessus. Hop là. Hop. Ça, ce sera relié, donc ça fera pas. Pareil. Ça fera pas trop de problèmes au niveau de la gravité. De toute façon, on a dit. Hein, y a un système anti-gravité ici, là aussi.
Ouais, ça par contre, les trucs de signaux, j'ai pas du tout testé. Parce que j'ai lancé un seul train. En vrai, je m'étais motivé en plus, il allait loin, il allait jusque là-bas le train. Il fait tout le chemin là, tout le trajet comme ça. Comment? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, putain. Ah, sur 3 ou 4 km, je sais pas. Et j'ai vu que c'était mal foutu. J'ai fait, oh, flemme. Hop là. Je vais sauvegarder le modèle des raffineries. On va voir ce que ça donne. Comment ça s'écrit? Il y a deux N ou pas ça? Deux F, ok. Raffinerie. On va sélectionner la raffinerie. Elle est là. Ah oui. Hop, on sauvegarde. Ouais, bah je vais rajouter hein, du coup hein. Catégorie. Maintenant je sais comment écrire raffinerie. Ouais. J'aurais oublié très rapidement, mais ah. Raffinerie. Avec un S, parce que là il y en a plusieurs. On sélectionne une icône. Là. Et là, coucou. Et là, on est sur du nom. Rogue. Et on verra si j'ai besoin de rajouter le fait que ce soit programmé plus tard. Et ce qui fait que. Ah oui, mais c'est pas fini. Parce que là, on a la partie centrale. Mais pour les raffineries, c'est mieux si. Si le pattern part sur les côtés. Oh purée. Ça va être galère. Bah pas tant que ça, parce que là au moins je sais que ça c'était la sortie. Là c'est comme ça. Alors je vais faire un petit imprime écran. On va utiliser le bon vieux paint. Comme quoi des fois il peut servir ce paint. Bah super, par contre il voudrait bien s'ouvrir. Est-ce que je te dis que tu sers Paint que... Ouais. Pas gentil ça. Alors, oula. Alors. Oula, attendez, c'est le bazar sur mes pages. Je retrie ça bien parce que... Je vois plus où est-ce que je suis. Alors, non, toi tu... Non, si, toi tu viens là. Hop, tac, tac. Voilà. La Twitch, on est rebon. Hop. J'ai mon image à côté, là je peux vider. Ok. Alors je reprends mon image, ma belle image. Et là je vais placer de la raffinerie, donc le mieux ce serait... C'est une bonne question. Combien de largeur? 3, 4 4 de chaque côté, ça fera 8. 8 par profondeur. C'est pas mal, hein. Je sais pas si j'ai besoin d'autant, en vrai. Ah, mais si, parce que les raffineries, forcément, ça prend plus en longueur. Moi qui joue sur la longueur, là. Et normalement. Je crois que c'était là. C'était là ou c'était là? Oh merde. J'ai un doute, je vais checker. Ah putain, de là, oh c'est trop bien. Alors j'ai un plan, raffinerie. Ok. Je vais voir quelque chose, est-ce que je l'ai foutu tout devant ou est-ce que je l'ai pas foutu tout devant ce truc? Non. J'ai laissé les deux premières cases. Voilà. Ok. Ok. Donc. Comme ça, hein. Avec ça qui arrive là. Ouais, c'est ça.
manque de moteur. Ah. Bon, maintenant que j'ai ça, hop là. Moteur, moteur, bonjour, bonjour. Où êtes-vous? Dans mon bordel. Ah, j'en ai là. Hein? Ah non, j'ai mal vu. Putain, je crois que c'était une raffinerie qui sortait de là. J'étais en mode oula, attends. Bon, ça est plus grande que le bord de la map, c'est pas normal. Hop là, et là, j'aurais juste à le couler. Yokulele. Non, 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 arrête. C'est pas drôle comme là. Ici, normalement, je suis censé avoir des groupeurs. Alors, les groupeurs, je les ai foutus. Hein? Non. Comme ça. Attends. Oui. Les regroupeurs ils sont collés, donc là, ah ouais, va aller voir partie, là ça va être la partie de droite et là ça va être la partie de gauche. Donc là je fais la partie à droite et la partie à gauche ce sera la même, mais inversée avec le sens des regroupeurs. Ouais ouais, j'ai pas pensé à ça. Là, super. Juste à faire tac. Tac. Ouais. Ouais ouais ouais. Ouais. Les groupeurs encore et toujours. Je suis pas en face là? Ah si. Ah non, ce sera la partie à gauche ça en plus. Ah, attends. Ils groupent. Ah, ouais, ce sera la partie à gauche ça. Hop, est-ce que tout s'en va vers là? Donc oui, ce sera la partie à gauche. Ah rien. Là j'aurais juste à faire le lien là qui rejoint. Ouais, je vérifie là en même temps sur mon bazar. Attends, mais j'ai pas fait ça droit en plus. Ouais, j'ai l'impression que je l'ai pas fait droit. Ouais, je recheck un peu le. Mon truc précédent là. Ma chaîne de prod précédente. Oh, c'est collé de chez collé. C'est tellement collé que là je crois que ça s'ouvre et ça peut rentrer en contact. En collision, c'est pas grave. C'est pas moi, c'est le jeu. Oh pardon. Petite forme. Hop. Et hop. Ah, c'est quand même plus simple comme ça. Hein. Il n'y a pas photo. Bien fait. Ah oui, je me disais aussi. Eh? C'est un truc chelou, j'ai pas tout suivi, hein. C'est pas grave. Ok. J'ai pas fait les alimentations non plus. S'alimenter par où ça? Par ici, ok. Ah, oh, j'y pense. Je vais faire un truc là ou pas? Je pourrais, mais...
bof. Si, en vrai... Hop, là je fais que ça allume comme ça. Et là je ferai rejoindre un autre tuyau, une autre ligne qui sera au milieu. Et qui elle servira d'alim, passera vraiment par le milieu du coup. Ouais, j'ai totalement zappé. Ouais, c'est vraiment presque collé quoi. Je peux coller plus ou pas? Non, pas sans rentrer en collision. Ah, et si... Je crois. Hop, voilà, le plus ça rentre en collision avec... Là, je m'en souviendrai de tête. C'est très symétrique ça. ouais, ce qui fait que là on a notre partie de gauche. J'ai rien oublié. Non, parce que les alimentations elles sont communes, elles reviennent ici. L'alimentation et le retour, ouais. Hop là. Allez, on sauvegarde ça. Raffinerie gauche. Et. Ah, super. Raffinerie gauche. J'ai dû le passer. C'est ça? Non, c'est pas ça. Elle où? À chaque fois. Voilà. À chaque fois, je me fais avoir. Hop, le petit plan. Quoi? Ah oui. Oups. Bon, ce sont des choses qui arrivent à aller un peu trop vite. Hop, raffinerie, appliquer les modifs. Et maintenant je vais faire pareil pour la... Non, alors je vais penser à faire ma modif sur ma partie centrale. Avant que charger plan, avant que je n'y pense plus. Raffinerie. Partie bordélique. Ta-da-da-da. J'avais l'impression qu'ici c'était pas droit, non c'est parce que ça se levait. Ok, c'est bien droit. Et fallait que je tire un câble. Ok, on est sur cette ligne là. Ah, c'est pas ce type de câble que je vais devoir faire. Ouais, je vais devoir faire un poteau électrique de rang 2 ici. Parce que je vais avoir deux arrivées. Un qui partira là-bas, un qui partira là. Et un qui partira sur le côté, un autre qui partira sur le côté. Donc là on aura 4 en plus. Ouais, limite de ça là, 4. Ouais, 6, bon ça nous en fera 6, on sera bien. Hop, je vais sauvegarder. Là il va me dire... Ah si c'est bon, ça va bien sauvegarder. Hop, et là je vais faire ma raffinerie, côté droite. Donc charger un plan. Raffinerie gauche. Charger là ? Même pas souvenir de l'avoir fait ça. Là j'ai juste à changer la direction des convoyeurs, etc. Merde. Là je pouvais ne pas le toucher. J'aurais dû ne pas le toucher, je me serais évité. De tête. Ouais, ça on aurait pu. Ah oui, mais si, je vais peut-être avoir besoin de le toucher quand même. Hein. Voir. Peut-être pas.
ça c'est dans le bon sens. Dans le bon sens. Ah, c'est dans le bon sens, oh parfait. Hop. Ah, je vais devoir. Voilà. Et en vrai. Bah oui, mais. C'est sûr que j'ai oublié une partie. Là, on a la sortie, on n'a pas l'alimentation. Ah oui, 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 oui. Ah, oui. Ah, j'ai totalement zappé, hein. Vraiment totalement zappé. Ouais, c'est parti. Là, le but ce serait de faire ça. Attends, je peux. Non. Oui. Non. Oui. Peut-être. Non. Ça rentre. Oui. Et là, on est en répartiteur. Comme ça c'est bon, répartiteur, comme ça c'est bon. Ah oui, parce que là ça se barre par là, si je me trompe pas. On est droite, donc droite, putain, ça va par là, oui c'est bon. Et que toi tu te barres là. Toi tu te barres là. Ah c'est bon, c'est droit. Ah il y avait vraiment, des fois des effets d'optique, c'est chelou. Ah bah non, c'est pas un effet d'optique. Pas fou. Il disait attends, c'est pas droit, c'est pas droit, mais attends, il y a un problème. Effectivement, ça n'est pas droit. Ah là, là c'est droit, là. On est en face, hein. Parce que là, c'est important d'être en face. Ok, et pour finir, décroissement pipeline. Ici. Ah ici. Ah ici. Ah, manuellement quand même, on le fait rejoindre. Là où je pourrais être bon, c'est rajouter des couleurs. Dit le daltonien. Mais oui. Je peux pas rajouter des couleurs au tuyau, moi. Nuancier de pipeline. Oh. Bah d'accord, super. En fait, ce que je voudrais faire, c'est une partie arrivée, une partie sortie. Qu'est-ce qui est... Moi, je pense à du bleu ou du rouge pour Nelek. Et tu mets la terre en vert. Mais... Non, de toute façon, j'ai juste à mettre en couleur un seul. Ouais. Mettre en couleur
ça c'est quoi ça? Je vais mettre en couleur l'entrée. Hein? Bah! Ah d'accord. Il s'est passé des trucs, c'est pas très grave. Et faire pareil là-dessus. Hein. Wesh, attends, y'a pas d'effort là. S'il te plaît. Oh. Attends, comment ça, ça fixe ça là? C'est dégueulasse. Ouais, oh. Ok, bon, d'accord. Bon. La moitié, c'est quoi cette arnaque là? Ah ouais, si c'est de l'arnaque. Regarde cette partie là, personnalisation déjà appliquée. Ah bon, t'es sûr? Non, moi j'ai pas l'impression. Là. Pour moi, ça c'est toujours de la même couleur. Ah ouais, non, j'ai pas changé de couleur toi. Donc ça, on disait c'est l'entrée en bleu. Ok. Alimentation, c'est fait. Hop là. Hop, on va sauvegarder ça. Raffinerie. What? Wow, Noé, comment vas-tu? Hello, how are you today? Oh là, on va improve les streams in English là, ça va faire bizarre. Oh, tranquillou, et toi? C'est vrai que ça fait un bon bout de temps. J'ai vu traîner sur TFT hier avec Mika. Ah oui, c'est ce qu'il me disait, même tu retournes un peu voir ta famille pendant 2-3 jours, c'est ça? Attends, je t'explique. Attends, je vais juste couper l'enregistrement. Bon, je vais finir cette raffinerie et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch, au cas où. Je vous dis à très bientôt, c'était Tiob.